Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. L'heure est au bilan pour la Fédération Française de MMA. Lionel Brezefin est avec nous justement pour en parler. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Également accompagné de mon acolyte chaque semaine, Sébastien Love. Comment ça va, Seb? Ça va, bonsoir Lucie, bonsoir Lionel. Et on va maintenant parler de la Fédération Française de MMA. Ça a beaucoup bougé cette année, en tout cas depuis 2020, ça bouge sans cesse. Le bilan est positif? Oui, bilan très positif. La MMA League a été lancée en septembre et ça fonctionne bien, donc on est plutôt content. La gouvernance a aussi été mise en place cette saison avec différents collèges, les officiels, les médecins, les organisateurs, et il y a une bonne cohésion, un travail de groupe assez efficace, donc oui, c'est assez satisfaisant. Alors justement, on va griller les étapes, on va passer tout de suite justement à ce comité. Un comité a vu le jour, un comité directeur, c'est ça de la fédération? Quand tu parles de gouvernance, c'est de ça dont tu parles? Voilà, c'est ça, c'est un comité directeur avec un appel à candidature avait été fait un peu plus tôt dans la saison, et à la suite de ça, des profils ont été retenus, donc je pense qu'il y a 7 collèges, et dont médical, officiel, organisateur, combattant, personnalité qualifiée, et le médical aussi, et donc on se réunit une fois par mois. Pour comme ça traiter tous les sujets de gestion commune d'une fédération. Alors, j'imagine que ça allège un petit peu le planning, parce que vous étiez surtout deux au départ, toi, Johnny Frachet, à porter à bras le corps cette fédération. Aujourd'hui, ce comité, il apporte un peu de légèreté peut-être dans vos plannings, ou rien à voir, c'est plutôt politique? Il apporte des idées nouvelles, des orientations, et du coup, c'est aussi pour ça qu'il est consulté. Et pour permettre de pouvoir faire évoluer cet objet commun. Et alors à terme, donc, ce comité directeur, il aurait vocation à gérer la fédération qui deviendrait autonome, si j'ai bien compris, d'ici 2025? Alors, en 2025, tous les 4 ans, le ministère propose une fédération doit tous les 4 ans dire, une discipline doit dire tous les 4 ans à quelle fédération elle est rattachée. Donc le MMA en tant que discipline devra dire à l'issue des Jeux, donc c'est toujours par Olympiade, 4 ans, donc à l'issue de l'Olympiade là, donc après Paris 2024, le ministère posera la question de savoir à quelle fédération le MMA est rattaché, ou s'il peut être dans une fédération à part entière en fait. Et alors quelles seraient les conditions pour que vous gagniez cette autonomie? Les conditions, c'est que le projet de développement soit suffisamment stable. Donc la feuille de route qui est suivie depuis 2020, depuis l'appel à manifestation d'intérêt, l'idée c'est que les éléments soient suffisamment stables pour que justement ça puisse être une entité autonome. Donc ça veut dire une ingénierie de formation, ça veut dire des projets de développement, ça veut dire aussi les compétitions, la structuration des compétitions, etc. Tout ça, ça en fait partie. Et ça, vous avez déjà une idée? Vous savez déjà si là vous allez être autonome ou il y a de grandes chances que vous soyez encore rattaché? Est-ce qu'il y a une tendance en fait? Il n'y a pas de tendance, on n'est pas du tout en retard sur la feuille de route. Ça a été fait année par année, étape par étape comme convenu. On a commencé, si on se rappelle, par l'élaboration du code sportif. Finalement, comment on fait pour faire de la compétition MMA? L'arrivée des professionnels et des compétitions professionnelles, en même temps que les formations qui ont été déployées en 2020, durant le Covid, si on se rappelle bien. Et à l'issue de ça, les formations, ça continue. On a proposé le brevet fédéral 1, le brevet fédéral 2, le brevet fédéral 3... est rédigé, il va être proposé. Et puis là, cette saison, le circuit amateur. Et donc, la fusée, elle prend comme ça tous ces étages et on n'est pas en retard. Et alors, quel est le modèle économique de la fédération? Comment vous vous y prenez? Vous avez des subventions de l'État pour vous aider à fonctionner, ou vous êtes en fonds propres? Comment ça se passe? Alors, on a des subventions de l'État qui sont à hauteur de 100 000 euros. Donc, en fait, on a une subvention de l'Agence nationale du sport pour le développement de la pratique à hauteur de 100 000 euros. Pour une année ou sur les 4 ans, justement, entre chaque Olympiade? Pour une année. Pour une année, d'accord. Il faut savoir qu'une fédération olympique type tir au pistolet, c'est 700 000 euros de fonctionnement annuel. Pour du tir au pistolet? Oui. Donc, attention, c'est très bien. C'est pour dire que, une discipline olympique dans le registre des subventions. C'est-à-dire que pour faire fonctionner une fédération comme la nôtre, il faudrait à estimation entre à minima 554 000 euros en fait sur l'exercice, sur une saison, parce que il y a les formations, parce que il y a les déplacements des équipes de France, parce qu'il y a la réservation des salles pour les formations, pour les compétitions. En fait, il y a aussi des
ressources à payer, notamment sur, tout ce qui va être la gestion administrative des clubs, les processus d'affiliation, même les compétitions. C'est un staff administratif assez conséquent pour gérer tous ces éléments-là. Depuis 2020, on était sur 70 compétitions. Donc en fait, ça fait quand même un gros volume. Et puis là, sur la MMA League, on a fait 6 étapes depuis décembre. Il est prévu d'en faire le double l'année prochaine. Donc en fait, cette montée en puissance, elle s'accompagne aussi par plus de coûts. Donc le modèle économique, c'est les formations et aussi la prise de licence et les affiliations. Et les 100 000, c'est parce que vous êtes affilié? Si vous étiez indépendant, la subvention serait un peu plus conséquente, ou ça resterait 100 000? Pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas de lien. Non, pas forcément. Okay. Et alors, au niveau des postes de dépenses, comment vous répartissez ce budget? Si on devait faire grossièrement des pourcentages? Oh bah le salaire, déjà, Lionel, est conséquent. Hein. C'est 50%. Alors, mon salaire, c'est le ministère des Sports. Donc, ce n'est pas du tout la fédération. Moi, je suis payé par l'État, contrairement à Sébastien. Et par conséquent, nous, c'est sur les actions de développement, actions de formation, où finalement, on va avoir un engagement plus important. D'accord. Et même, par exemple, l'achat du matériel pour les championnats de France. C'est-à-dire qu'il a fallu, on a proposé une dotation, donc on a dû acheter protège tibia, les gants, les rash guards, les shorts. On a aussi deux alternants. Donc en fait, ça, c'est des ressources. On a Johnny qui est prestataire, qui est aussi une ressource. On a aussi acheté, on a 8 cages. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi proposer des cages et des cages FMMF en région pour qu'on puisse avoir un développement de l'activité en région. Donc on a 8 cages amateurs et une cage professionnelle de 10 mètres. D'accord. On a aussi le déplacement des officiels qui est pris en charge. On a on a le médical, puisqu'on a un coordinateur médical, le docteur Jean-Marc Sen, donc qui lui s'assure justement de la conformité médicale de tout le dispositif, pas uniquement compétitif, mais finalement comment on encadre le MMA sur le plan médical. Donc en fait, c'est toutes ces charges-là en fait auxquelles on doit répondre. C'est une somme, c'est rien. Ouais, avec tout ce qu'il y a, c'est effectivement. Alors, tu parlais tout à l'heure du comité exécutif. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc, tu as bien spécifié qu'il y avait tous les corps de métiers liés au MMA qui étaient représentés. Est-ce qu'on peut connaître les noms? Qui représente ce comité exécutif? Comment il a été choisi? Alors, je vais essayer d'oublier personne. C'est pas dit. Ouais, non, désolé, c'est un vrai effort que je te fais. C'est vraiment. Donc, on a deux médecins. On a deux médecins sur le comité médical. Donc, comme je l'ai rappelé, il y avait le docteur Jean-Marc Sen. Sur les personnalités qualifiées, on retrouve Cyril Diabaté et Mathieu Nicourt. Sur les clubs, on retrouve Reda Sadouki et. Je ne sais plus, ça va me revenir. On a aussi, en fait, en vrac, on a aussi Benjamin Sarfati qui fait partie. Donc là, c'est plus pour les organisateurs, avec Jérôme Pourru qui fait aussi partie du comité des organisateurs. On a Marie Loiseau qui est sur les combattants. On va avoir Cédric Certenay qui, lui, est à La Réunion, qui fait aussi partie, je pense qu'il est sur la vie des clubs. On a Loïc Porra et Adrien Cailleul sur les officiels. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il me reste un nom qui va me revenir. Il reviendra. Alors, à terme, donc, il faudrait élire un président, j'imagine, si la fédération devenait autonome. Est-ce que tu sais déjà quel serait le mode d'élection? Parce que je crois que chaque fédération a son mode d'élection. Alors, le nom qui me revient, qui me manquait, c'était Antoine Hidriot, qui fait partie du collège des combattants avec Marie Loiseau. Voilà. Pour le mode d'élection, là, le ministère a proposé justement une trame pour que justement, dans les fédérations, on n'ait plus des modes d'élection et de représentation qui soient comme ça un peu disparates. Et pour l'instant, on ne le sait pas, puisque nous, c'est ce qui est spécifique avec l'activité MMA, c'est qu'on est à l'an zéro. Donc, on arrive et c'est pas facile de faire la même chose que des fédérations qui sont là depuis un siècle ou un siècle et demi. Ça veut dire qu'il y a déjà un existant, il y a déjà des comités directeurs, des comités régionaux, des comités départementaux. Parce que la boxe, MMA, c'est ça. La boxe, ce sont les grands électeurs. Or, nous, on n'a pas vraiment de grands électeurs. Est-ce que ça pourrait être les électeurs, les particuliers qui votent? Parce que ce serait plus représentatif, ceux qui ont leur licence. Alors, les licenciés, aujourd'hui, il y a 3 000 licenciés.
D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que 3000 licenciés pour désigner quelqu'un, ça permettrait d'avoir la désignation la plus cohérente ? Ça, c'est difficile à dire. Donc on n'a pas de comités régionaux, puisqu'on n'a pas suffisamment de représentation régionale pour monter des comités régionaux. Donc on se retrouve avec des régions sans comité, des régions avec des comités avec très très peu d'infrastructures et de licenciés à l'intérieur. Donc ça, c'est une discussion qui devrait être abordée avec le ministère pour qu'on trouve un moyen qui soit, entre guillemets, démocratique et surtout représentatif. Ouais. Alors, n'importe qui peut se présenter au poste de président ? Ce serait bien que ce soit quelqu'un qui soit là depuis le début du projet, qui soit aussi acteur sur le projet et concerné par le projet. Ce serait un peu délicat d'arriver en 2025 et de vouloir justement piloter cet objet qui existe depuis 5 ans. Après, effectivement, il faudra à minima être licencié et puis, je le souhaite en tout cas, être acteur. De toute façon, ça va forcément se faire. Il y en a qui vont vouloir se présenter, c'est une évidence. Mais alors, justement, si quelqu'un pensait à se présenter en 2025, ça voudrait dire que dès maintenant, il faudrait qu'il signifie son envie de s'impliquer davantage au niveau de la fédération, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, ou ça aurait été même bien de le faire depuis le début de la fédération, puisqu'on avait quand même besoin d'un sacré coup de main. D'accord, donc a priori, la tendance, ça partirait sur une personnalité de ce comité directeur. Non, alors vraiment, pas forcément. Il y a des gens qui ont aidé, qui nous accompagnent encore et qui ne sont pas du tout dans le comité directeur. Le comité directeur, c'est les gens qui souhaitaient justement s'investir sur cette partie-là de gouvernance. Mais on a des gens aussi qui sont pas dans le comité et qui pourtant sont là depuis le début. Je peux te donner ma lettre de motivation. Bien sûr. Voilà. Alors, lors de la conférence de presse du RS, Fernand Lopez disait qu'il verrait bien Benjamin Serfati à la présidence de la Fédé. Quel est, selon toi, le profil idéal donc, pour remplir cette tâche de président ? Est-ce qu'il y a des prérequis, des compétences qui te semblent nécessaires pour assumer cette fonction ? Il y a plusieurs profils de présidents dans les fédérations. Il y a des présidents qui sont là avec une fonction de représentation et qui s'en accommodent parfaitement. Et puis, il y a des présidents qui sont plus entre guillemets, sur de la gestion de fédération comme tu le ferais avec une entreprise, en fait. Donc, tous les profils existent et c'est vrai qu'il faut avoir une connaissance du milieu, une bonne qualité d'écoute et puis c'est une mini-entreprise. Donc, en fait, il y a des notions de management, il y a des notions de gestion aussi des ressources financières. Enfin, c'est des postes qui sont assez complexes et qui demandent un investissement complet. C'est-à-dire qu'entre les sollicitations avec le ministère et toutes les tâches administratives que tu dois gérer, c'est vraiment un poste qu'il faut occuper à temps complet. Qui dit président dit aussi qu'on ne peut pas avoir de rémunération, logiquement. Donc c'est un statut non rémunéré ? Alors, c'est un engagement total sans rémunération contrepartie ? Non, pas du tout, parce que les associations peuvent rémunérer. Oui. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ce que les associations ne peuvent pas faire, c'est qu'elles sont à but non lucratif. C'est-à-dire que tu peux faire des bénéfices, mais que l'objet de l'association n'est pas de faire du bénéfice. C'est effectivement de redistribuer les ressources. Donc tu peux tout à fait être président et être rémunéré. D'accord. Au niveau de la fédération, de la gestion de la fédération, comment est-ce que vous faites face, je crois que c'était une de tes questions, Seb, comment vous faites face à la fuite des organisations qui vont vers d'autres fédérations ? Pour nous, le système concurrentiel, il a toujours été dans la trame. C'est-à-dire que depuis le projet, on savait de toute manière qu'on allait avoir d'autres fédérations qui se positionnent pour l'activité MMA. Donc nous, la stratégie qui est la nôtre, c'est de faire de la qualité. C'est de proposer quelque chose qui soit qualitatif. On nous reproche souvent le coût, mais le coût est associé à la qualité. Et de faire en sorte que les pratiquants soient en sécurité. Au centre du dispositif, avant tout, c'est le pratiquant, c'est le combattant. Sans combattant, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de MMA en fait. Le MMA, il existe pour et par les combattants. Ensuite, on a effectivement les pratiquants licenciés qui sont le plus grand nombre et qu'on ne doit pas oublier. Mais en fait, l'objet, c'est de proposer quelque chose qui soit qualitatif et qui réponde à toutes les normes de sécurité. Mais c'est vrai que il y avait par exemple la Fédération française de Kempo qui est déjà là avant la création de la FMMAF, parce qu'il y avait la FFKMDA. Donc il y a le Kempo, mais c'est la Fédération française de lutte, je crois aussi, qui fait des... Ouais, voilà. Et c'est en même temps le grappling fight, c'est la même c'est chose. C'est à la lutte. Voilà. C'est à la lutte, voilà, ça. Mais comment on explique qu'un organisateur, demain je suis organisateur, la logique veut que je me retourne vers la FMMAF, mais comment ça se fait qu'un organisateur se dise, je vais prendre la Fédération française de lutte. Qu'est-ce qui diffère, en fait ? Alors, hormis le coût, parce que c'est vrai qu'il y a un coût certain, mais encore une fois, la qualité, ça se paye, ça, on est tous d'accord. Mais j'ai pas encore pour travailler avec les deux, j'ai pas encore les tenants, les aboutissants. Je me dis, mais pourquoi en fait il n'y a pas une fédé point barre ? Pourquoi on est obligé d'aller là, 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 là ? C'est encore ce qui pêche un peu et je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas finalement ?
Ah, je pense que par exemple, c'est un truc très simple, mais pour une organisation, nous, on va demander deux médecins. Un médecin au pied de la cage et un médecin dans les vestiaires. Quand tu as fini ton combat, moi, ça m'a toujours semblé bizarre que tu puisses faire un combat, tu fais un 3x5, tu as terminé, tu repars avec une médaille et tu prends ta voiture, tu rentres chez toi. En fait, c'est super dangereux, je pense. Mmh. Et donc, tu sors et à l'issue de ça, dans les vestiaires, tu vas avoir un examen médical pour voir si tu es apte, s'il n'y a pas un pépin. Et le cas échéant, tu seras orienté avec une lettre de recommandation, etc. Ça veut dire que pour un organisateur, il faut deux médecins. Aujourd'hui, okay. Pour les organisateurs, ça fait encore un coût supplémentaire. Les amateurs, on impose, nous, la validation d'un grade technique. Donc, ça veut dire qu'en amont, il faut qu'on ait fait une codification technique. Il faut qu'on ait designé un système de grade. Ça a été le travail, c'est toujours le travail de Johnny. Il faut qu'on organise des passages de grade, qu'on forme des évaluateurs de grade. C'est une grosse logistique. Quand on dit qu'il faut vérifier le niveau technique des gens, ça ne se fait pas comme ça. Tu vas le voir, le passage de grade, c'est 10 minutes. Mais derrière, c'est des mois de travail. C'est une grosse ingénierie, oui. Et donc, il faut aussi que, comment ça s'appelle, ouais, parce que tu avais participé au dispositif, et effectivement, ça veut dire qu'il faut faire une validation administrative qui dit qu'il a bien le grade technique, mais c'est pour éviter d'avoir des combats qui soient trop déséquilibrés. Et en fait, tous ces éléments-là sont perçus aussi comme des éléments de contrainte par les organisateurs, et qui, par conséquent, ils vont aller vers des dispositifs qui sont allégés par rapport à ces contraintes-là. Mais au départ, il faudrait tout simplement qu'il n'y ait que vous qui ait cette autorisation de faire pratiquer du MMA, en fait. Mais le code du sport ne voit pas l'activité comme ça. Et ce qui nous arrive existe pour toutes les fédérations. D'accord. Ça veut dire que demain, à nous trois, si on veut, on peut monter la fédération de balle au pied. Mmh. Et on va proposer ni plus ni moins que du football, sauf qu'on l'appellera balle au pied. La fédération délégataire restera la fédération française de foot. Mais nous, on pourra avoir notre fédération de balle au pied. D'accord. Et faire un championnat, une coupe nationale de balle au pied. Et c'est marrant parce que moi, j'ai souvent la remarque, je mets par exemple, là, je suis en train de speaker, premier événement de MMA, j'avais fait dans les Ardennes. Mmh. Et dans mes commentaires, on m'avait dit, ah non, c'est pas du MMA, Seb. Bah si, c'est du MMA. Non, parce que c'est pas la FMMAF. Mais l'appellation MMA, elle est pas déposée. Tout le monde peut l'utiliser. L'appellation n'est pas déposée. Et en fait, ce qui se passe, et c'est ce qui est particulier, comme on disait, avec le MMA, c'est que le MMA, comme c'est une discipline moderne et qu'elle arrive là, boum, en 2020, eh ben, elle présente des failles sur le dispositif d'encadrement des fédérations, puisqu'en fait, on le dit, hein, elles étaient là depuis pour certaines 1903, 1905, même avant 1900. Ouais. Et donc, les choses ont été faites un peu par empilement. Et nous, on arrive. Et en fait, le texte, il y a des trous dans la raquette. Okay. Et donc, l'usufruit du terme MMA, enfin la désignation, ça appartient. Le mot tennis, la discipline tennis, oui. Ça n'appartient pas à la fédération de tennis, foot non plus. Mais par contre, là où il y a un truc qui tourne pas rond, c'est sur le MMA. Que ce qu'on entend pour MMA? Est-ce que c'est du tridimensionnel ou est-ce que c'est du tridimensionnel avec frappe au sol? D'accord, et en vérité, c'est du tridimensionnel avec frappe au sol, comme nous on l'entend. Mais à partir du moment où je ferai du tridimensionnel, je pourrais déjà faire du MMA. Et si ça a été interdit avant, si on a eu l'interdiction, on n'était pas interdit sur le tridimensionnel avec le pancras, on était interdit sur le fait qu'il y ait des frappes au sol. Ouais. Donc en théorie, on devrait être la seule fédération à proposer les frappes au sol. Et ça, c'est pas clair. Alors, autre aspect qui a été dont on parle beaucoup dans les couloirs du MMA français, en début de saison, j'entendais des plaintes concernant les taxes qui étaient les mêmes, que ce soit pour l'amateurisme ou le professionnalisme. Or, ces deux volets n'ont pas les mêmes profits, en fait, ne présentent pas les mêmes aspects financiers, les mêmes retombées. Est-ce que vous avez prévu d'ajuster peut-être les taxes en fonction de la compétition? C'est fait avec le dispositif MMA League. Ça veut dire que la volonté de la fédération, c'est de favoriser un système où, justement, n'importe qui peut s'inscrire. À partir du moment où il a son grade technique, ses documents médicaux et sa licence, et il n'y a pas de matchmaking, et on combat et on évolue comme ça, comme c'est dans le cas dans la majorité des sports amateurs. D'accord, donc plutôt que d'organiser un événement de MMA amateur, on fait appel au label MMA League, on le fait venir une salle, et on ne paye pas de taxes, c'est ça? Tu ne payes pas de taxes fédérales puisque c'est la fédération, c'est le club devient porteur du projet. Mais par contre, la fédération amène la cage, donc tu fais une économie sur transport, installation de cage. On amène les officiels, donc tu ne payes pas les officiels, il n'y a pas de taxes fédérales et tu peux faire ton événement. Si tu es club porteur, à ce moment-là, tu peux mettre, on te réserve 10%, 15% des places et du coup, tu peux mettre tes athlètes, tu peux mettre tes sportifs dans le tirage. On n'a aucun problème avec ça. Okay. Et ce type de fédération, le coût, il est supporté à hauteur de 65% du coût par la fédération. Alors, dernière question sur les taxes et les organisations. Qu'est-ce qui se passe quand on part organiser à l'étranger?
parce que ça arrive de plus en plus. Est-ce qu'il y a des taxes fédérales à payer ou est-ce qu'on est libre de toute taxe vu qu'on est à l'étranger? Non, non, tu peux aller à l'étranger. Par contre, le système de taxes fédérales, il est assez simple. On a une grille qui est accessible, elle est en ligne. Et en fait, en fonction, si moi je suis organisateur que dans ma région, on va dire qu'il y a 10 combats, le combat, il est à 100 euros. Voilà. Donc un combat à 100 euros, si moi je suis que dans ma région, je suis COEF 1. Donc moi, je vais payer le combat 100 euros sur la taxe fédérale. Mmh. Maintenant, je fais des combats à Paris et à Bordeaux. Du coup, je suis national. Donc là, je passe COEF 1,5. Donc le combat, il passe à 150 euros. Si tu es hors de la France, tu vas en Suisse, tu vas passer COEF 3. Et si tu sors de l'Union européenne, tu seras international COEF 5. Donc en gros, tout le monde a la même grille, que tu sois le Bellator ou que tu sois du régional. Ce qui va changer, c'est ton indice en fonction de ta puissance économique. Si tu as une puissance économique pour rester dans ta région, bah ok, pas de problème, et tu paieras une taxe au prorata de ta puissance économique. Si demain tu décrètes que ta puissance économique te permet de sortir des frontières nationales, et bah ça veut dire aussi que tu as l'assise pour avoir une taxe qui soit proportionnelle à ce que tu désires mettre en place économiquement. Merci messieurs pour votre disponibilité, une édition encore très riche. Merci Lionel pour ta venue. On se retrouve en septembre, on va faire un petit point fédéral en septembre. Il y aura peut-être des nouveautés d'ici là. Toujours un plaisir de t'avoir Lionel. Voilà. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye.